Bon, alors je vous reprends aujourd'hui, on est vendredi. Hier, j'ai pas filmé parce qu'on avait des rendez-vous, du coup, pas le temps. Donc là, je vais vous montrer un truc. Il y a 2 jours, j'étais trop contente. Ma ligne de haricots verts, parce que j'avais qu'une seule ligne de haricots, j'ai vu que j'avais des haricots qui commençaient à arriver. Donc je me suis dit, chouette, dans 1 ou 2 jours, je vais pouvoir aller en chercher. On va au moins en manger un petit peu, même si on n'a qu'une seule ligne cette année. Et hier matin, en venant arroser, parce que j'ai fait un arrosage du potager en entier hier. Je me suis rendu compte que j'avais un petit problème avec mes haricots. Donc voilà le problème en question. Donc là, il me reste quelques haricots et sinon, j'ai plus rien. Je me suis fait tout dévorer. Donc là, on voit bien, il n'y a plus que quelques tiges. Je me suis fait tout manger. Je suis dégoûtée. Donc c'est forcément les lapros parce que y en a encore, hein, donc c'est forcément eux qui sont venus les manger. Et là je viens de voir, hier il me restait encore un poivron et une aubergine et là j'en ai plus du tout. J'ai plus rien, ils m'ont tout mangé. Donc les poivrons ce sera pas pour cette année, je suis dégoûtée. Ouais, je suis dégoûtée, c'est tout. Donc les poivrons ce sera pas pour cette année. Les aubergines j'en aurai pas non plus. Il me restait un pied de chaque, j'ai plus rien du tout. Bon, mis à part ça, j'ai quand même des carottes là qui poussent. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, là on voit bien. Donc ça c'est des carottes de mes 4 lignes que j'ai semées la dernière fois. Donc au moins j'ai un truc qui pousse, mais je suis quand même grave dégoûtée parce que s'il faut en plus. Les carottes, j'en aurai pas très longtemps parce que si les lapins passent, ils vont tout me manger au fur et à mesure. À première vue, ils n'ont pas encore touché aux haricots rouges. Donc je vais aller faire un tour quand même, on sait jamais. Bon, je vous dis une bêtise, hein, ils se sont attaqués aux haricots rouges. J'ai quand même des tiges, on voit qu'elles sont coupées. En soi, j'ai quand même. Normalement, j'ai assez de lignes pour avoir des récoltes. En plus, là, ça arrive d'ici une semaine. Je pense que je vais pouvoir ramasser, mais il y a quelques tiges qui ont été mangées. Surtout que là, les haricots, ils m'ont mangé tout ça en une nuit. Hein. Ils m'ont mangé la ligne en une seule nuit. C'était fini, il n'y avait plus rien. Je suis dégoûtée. Déjà que cette année, j'ai encore pas grand-chose au potager, je trouve, par rapport à ce que je voudrais faire. Je pense que le problème du sol trop pauvre, etc., ça joue vachement. Mes courgettes, elles ont du mal à démarrer. Enfin, c'est vraiment compliqué. Mais si en plus, ils viennent me manger le peu de trucs qui poussent, ça va être galère. Donc là, l'année prochaine, il faut vraiment investir dans du petit grillage pour faire tout le bas de la clôture en fait. Je ne vais pas avoir le choix parce que je ne peux pas tous les ans tout me faire manger. Qu'il y ait de la perte, c'est obligatoire en fait. Parce que forcément, on est en pleine campagne, enfin même en ville. Hein, il va y avoir des insectes, il va y avoir des petits animaux, les oiseaux, enfin tout ça qui va venir, c'est pas le souci. Mais là, ça va me faire trop de pertes, j'ai déjà pas assez de plants. Si ça me refait ça l'année prochaine, ça va un peu me gonfler, je pense. Mais ouais, pour mes haricots, je suis un peu dégoûtée quand même. Bon, du coup, la dernière fois, j'ai fait un sondage sur la chaîne pour voir si vous préfériez un vlog assez long ou 2 vlogs plus courts. La majorité des personnes ont décidé, enfin, ont voté pour 2 vlogs, mais du coup, un peu plus courts par semaine. Alors, moi en soi, ça m'arrange. Je passe un peu plus de temps sur mon montage, c'est-à-dire que par semaine, je vais avoir 2 ou 3 jours où je vais faire du montage. Mais par contre, ça me permet de mettre plus de trucs en fait dans les vlogs parce que il y a des fois où je cutais des gros passages des vlogs, voire des trucs entiers, parce que je me rendais bien compte que pour un vlog par semaine, ça allait faire trop. Il y a des fois où ça montait à 45 minutes, donc j'étais vraiment obligée de cutter énormément pour que ça passe à peu près à une trentaine de minutes. Donc là, je trouve que du coup, c'est plus pratique pour moi. Je peux vous mettre plus de trucs et sauf cette semaine, forcément, parce que lundi j'ai fait du montage, donc j'ai pas filmé. Mardi on n'était pas là. Mercredi j'ai filmé un petit peu. Jeudi on n'était pas là. Et aujourd'hui je reprends la caméra. Donc forcément, ça limite au niveau quantité, mais j'arrive quand même à sortir quelque chose. Donc c'est le principal. Et du coup, pour l'instant, je vais continuer sur 2 vlogs par semaine et on verra après ce que ça donne. Sinon, là, je vais vous montrer le grenier parce que on vient de ranger le garage. Et en fait, on a rangé le garage pour une simple et bonne raison, c'est qu'il faut absolument qu'on vide le grenier. Nous, on voudrait le vider pour septembre. Dans tous les cas, faut il faut qu'il soit vidé. La raison principale, c'est que on a des rats au grenier et là vraiment c'est un parc d'attractions pour eux, donc ça m'étonne même pas qu'ils y soient. Il y a des cachettes en veux-tu en voilà,
Franchement, voilà, le parc d'attractions, c'est nickel. D'ailleurs, en parlant de ça, dans le dernier vlog, je vous ai dit que le rat était passé dans le tableau électrique, il s'est fait électrocuter, et en fait, on en a encore un qui descend parce que ce matin, quand je suis allée dans le couloir en me levant, je l'ai vu remonter. Donc, on en a encore un à se débarrasser, et l'autre soir, j'en ai entendu deux courir, dans le grenier. Donc, il y en a encore au moins deux et un qui passe dans le couloir. Donc on aimerait bien s'en débarrasser parce que franchement, déjà au grenier c'est limite, mais dans la maison ça me dégoûte un peu quand même d'avoir des rats dans la maison. Donc à savoir que du coup nous on voudrait mettre nos affaires à nous qui sont déjà quasiment toutes dans des boîtes dans le garage pour pouvoir bah, vider un peu plus le grenier, avoir plus de place aussi pour trier les affaires de mes beaux-parents et leur descendre une fois que c'est trié, enfin leur descendre tout ce qu'ils gardent quoi en gros. Donc je vais vous montrer là parce que je vais voir si on peut pas faire ça ce week-end avec Luc ou du moins commencer au moins à descendre nos affaires. Je le fais pas toute seule parce que je suis pas très à l'aise avec les rats et j'ai pas envie de tomber sur un rat, je vais me faire peur c'est sûr, donc ça sert à rien. Mais en tout cas, je peux au moins vous montrer ce qu'il y a. Je vais m'excuser d'avance pour la qualité parce qu'il y a une partie du grenier qui est que en lumière artificielle, c'est de la lumière bien jaune, bien moche. Et je suis sûre que même avec le réflexe, niveau qualité, ça va pas le faire du tout. Donc bah, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, à savoir que le grenier, du coup, nous, il est accessible par la maison. Donc ça, c'est l'escalier qu'il y a dans le salon et juste au-dessus, du coup, on a le grenier. Faut pas avoir peur du bordel, je vous préviens, parce que là, vous allez être servi. Bon alors, quand on monte, déjà, là, on a des sacs poubelles. Donc ça, c'est acheté. C'est des choses qu'on a déjà triées avec Luc et que bah, faut qu'on emmène à la déchetterie. Tout ce que vous avez là, c'est à nous. Donc comme on peut voir, quasiment tout est en boîte. Il y a vraiment que les gros trucs qui passaient pas dans les boîtes qui y sont pas, mais sinon tout le reste est en boîte normalement. On arrive à l'endroit le plus critique qu'on n'a pas du tout commencé à trier. Et comme vous pouvez le voir, bah c'est un peu critique quoi. Il y en a vraiment partout. C'est posé à même le sol et il faut vraiment qu'on trie. Donc là, il y en a partout, même derrière là-bas. Ensuite, donc toute cette partie-là, c'est à descendre à mes beaux-parents, ces trucs qu'ils gardent. Et comme vous voyez, il y a des merdes de rats, donc on sait qu'ils passent là, hein, c'est sûr. On en a partout, il y en a là-bas aussi. Donc franchement, tout ça va partir à la poubelle directe. Tout ça, c'est des trucs qui sont à nous, mais qu'il faut qu'on trie. Tout ça, franchement, ça va partir à la poubelle. À part les draps, faut qu'on regarde, mais sinon ça va sûrement partir. Ça, c'est des jouets, c'est à trier. Là-bas, c'est des chaussures, mais vous voyez, c'est en boîte. Et après, on arrive bah, dans la pièce des lapins, qui d'ailleurs faut que je nettoie là. Donc vous voyez, tout ça c'est à nous, c'est en boîte. Et côté lapin, il n'y a rien qui traîne, à part le sac, mais en fait c'est parce que ça me sert de sac poubelle. Et sinon, tout est fermé, même la bouffe, hein. Les rats n'ont pas du tout accès chez les lapins. D'ailleurs, les lapins, je leur donne à manger que quand on est dehors. Ils n'ont plus à manger dans la maison. Ils sont sortis tous les jours, donc vous inquiétez pas, hein, mais en tout cas, ils ont à manger que quand ils sont dehors. Donc, comme vous pouvez le voir, ça fait pas mal de bazar à ranger. Donc, ça nous prend vraiment longtemps en fait parce qu'il faut trier avant de descendre à mes beaux-parents toutes leurs affaires. Et franchement, ça nous prend un temps fou. En plus de ça, quand il fait très chaud comme là, on est juste sous les combles, il n'y a pas d'isolation, on crève vraiment. Donc là, faut qu'on voit si on peut quand même faire ça ce week-end. Ce serait bien d'avancer parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire si on veut vider pour septembre. Bon, du coup, c'est moi qui vous retrouve. C'est pas Mel, parce que comme elle a mis sur YouTube dans l'onglet communauté, elle a été malade tout le week-end. Donc là, pour le coup, elle n'a pas fait grand-chose ce week-end. Du coup, j'ai un peu avancé. Donc je vais vous montrer un peu du coup ce qu'on avait fait. On avait commencé le garage. J'ai tout fini. Là, il y avait ici, là, juste là, il y avait un gros tas de ferraille. Je l'ai vidé. Là aussi. Bon, là, j'ai mis ça. Ça, faut qu'on emmène à la déchetterie. Donc, du coup, ce qui reste, ça fait à peu près ça. Donc, là, on a notre établi. Ça, faut que je m'en occupe. C'est à virer aussi. Ça, c'est des boîtes aussi. Donc, on a tout rangé là. Là, on a rangé tous nos outils. Après, on a installé. Donc, ça, c'est une petite étagère où on a mis. Les outils, les boîtes, les trucs. Ah, ça, c'est un tableau. Ça, c'est une lumière qu'on doit installer. Donc, là en dessous, il y a tout ça. Bon, il y a encore des trucs en dessous, mais il y a un sac poubelle devant qui est giga lourd. Il faudra que je l'enlève. On a installé cette étagère là. Là, on a mis les produits, tout ce qu'on sert. Là en bas, c'est un étage animaux et jardin pour Mel. Là, j'ai mes produits, trucs de voiture.
Et là, c'est un peu tout. On avait des grandes plaques qui étaient en plein milieu du garage. On les a collées au mur. Comme ça, au moins, elles prendront pas plus l'eau qu'elles ont pris. Là, c'est un petit bureau pour Mel pour qu'elle puisse jardiner dessus. Je crois que c'est elle voulait le garder pour ça. Dessus, il y a un meuble que je suis en train de refaire, mais bon, c'est pas masse intéressant. Là, la moto pour l'instant. Donc, du coup, c'est celle à mon père, une ancienne moto à mon père. Donc, faudra que je vois pour qu'il la récupère, mais bon, pour l'instant, elle va rester là. Bon, pas intéressant, c'est un sèche-linge qu'on a mis là parce que il est plus dans la maison pour l'instant. Ça, c'est pareil, c'est un outil encore à mon père, mais il est fixé avec des gigavis au mur. Alors, je pourrais le déplacer, mais le problème, c'est qu'il a pas la place pour le récupérer pour l'instant. Donc, on va attendre un peu, il va rester là, je pense. Et ça, pareil. Une perceuse à colonne, pareil. Elle est fixée avec des gigavis au mur, donc on verra. Et là, bon, bah voilà, c'est un tas à dégager. Donc en gros, voilà, le garage, ça fait. Là, je peux pas ouvrir en grand parce que j'ai mis ma voiture. Mais en gros, voilà. Maintenant, on a la place de travailler, on a la place de faire des trucs, même l'établi. Là, voilà, j'ai plus que ça, mais en soi, derrière, c'est que des vis, de la visserie, des chevilles, des trucs comme ça. Ne me demandez pas pourquoi il y a ça. Hein. Non, c'est faut que je les jette. J'ai retrouvé ça, mais faut que je les jette. Pareil, on a avancé, du coup. On a quand même fait un aller-retour déchetterie. Quand Mel, avant que Mel soit malade. Le problème, c'est que moi, j'ai rajouté pas mal de trucs depuis. Et du coup, bah, ça n'a pas baissé. Ça a même augmenté. Parce qu'il y a encore un meuble ici. Donc, il faudra qu'on fasse ça. J'ai commencé à démonter des meubles. Il y a plein là de plaques de bois là. Faudra qu'on voit ça, de toute façon on fait à peu près un aller-retour par semaine à la déchetterie. Donc faudra qu'on finisse ça. Le gros du gros, c'est ce que j'ai fait ce week-end. On a fini le garage, enfin j'ai fini le garage, mais bon. Mel y a quand même pas mal participé. Et on a fait un aller-retour à la déchetterie. Donc voilà. Après, je vous laisserai avec Mel, je pense que cette semaine elle va quand même vous montrer des trucs. Bon, du coup, on se retrouve ce matin, on est mercredi. Donc j'ai pas du tout filmé de tout le week-end et en début de semaine parce que j'ai été hyper malade tout ce week-end et franchement j'ai grave du mal à m'en remettre. Je suis fatiguée, fatiguée, fatiguée. Donc je me suis bien reposée début de semaine. Là je vais reprendre tranquillement, je vais pas trop forcer non plus. Du coup je vous avais dit que normalement on devait attaquer le grenier, mais comme j'ai été hyper malade, on n'a rien attaqué du tout. Normalement, alors Luc a continué le garage, enfin en tout cas il a fini le garage, normalement il vous a montré. Et du coup pour ma part je sais plus du tout ce qu'il y a dans ce vlog, je crois qu'il n'y a pas grand chose en début de vlog. Je vous ai dit la dernière fois que mes haricots verts se faisaient manger par les lapins, donc là j'ai plus du tout de haricots, il n'y a plus rien, il n'y a plus de tiges, ils ont tout mangé. Et le problème c'est que ils sont en train de s'attaquer à mes haricots rouges, donc cette année le potager franchement je pense que ça va être encore un échec. Parce que franchement, il n'y a rien qui pousse. Comme l'année dernière, les courgettes, elles ne veulent pas démarrer. J'ai vraiment beaucoup de mal, ça grossit pas, ça prend pas. Les concombres, pareil, c'est une catastrophe. Tous les choux que j'avais plantés, une partie s'était fait dégommer par les poulets. Le reste, il y a des insectes qui sont venus les manger. J'ai quelques tomates, mais pareil, là, actuellement, elles grandissent plus du tout. Donc je pense que ma terre est trop dure, hein. J'ai une terre hyper argileuse, c'est du béton hein, ma terre. Donc je pense que les racines ont vraiment du mal à pousser. En sachant que du coup là ça fait 2 ans que le potager c'est une galère et ça fait 2 ans que je suis à cet emplacement-là. Puisqu'avant mon potager c'était l'endroit où on fait les pommes de terre actuellement. Et du coup à cet endroit-là, encore avant c'était un poulailler et ça a été un poulailler pendant des années. Donc en fait le sol était hyper amendé. Il n'y avait pas de problème là-dessus et je pense juste que la zone où je suis pour l'instant c'est vraiment un calvaire. Donc cet hiver il va vraiment falloir amender au max. Je vais mettre les poules comme l'année dernière, mais bon l'année dernière j'ai que 3 poules donc pour 100 mètres carrés ça fait un peu juste. Et surtout il va falloir investir l'année prochaine du coup pour s'il y a encore des lapins, pour pas que les lapins rentrent. Donc il va falloir refaire une vraie clôture parce que là actuellement j'ai un filet mobile en fait. Mais par contre, il y a vraiment tout qui passe. Même quand on a des poussins, techniquement, les poussins passent au travers du filet. Donc là, il faut absolument que je vois ce qu'il faut pour l'année prochaine pour faire la clôture du potager.
Donc, il va me falloir des piquets pour le sol, je sais pas comment ça s'appelle là, les trucs en ferraille directement qu'on plante dans le sol. Des poteaux en bois, du coup, il va me falloir du grillage pour faire le tour du potager et un petit grillage en bas, du coup, pour éviter que les lapins, et surtout les lapros, passent, parce que les lapins adultes, ça va, mais les lapros, ils passent partout. Donc voilà, il va falloir que j'organise tout ça pour l'année prochaine, parce que franchement, je pense que cette année, c'est mort. Là, on va encore avoir des tomates, normalement, on va en avoir quelques-unes. J'ai relancé quelques cultures, mais ce qui sera surtout pour les cultures d'automne ou d'hiver même. Mais sinon, là, cet été, franchement, on n'a plus rien. Si, j'ai relancé des concombres, donc on va voir si ça me donne quelque chose. Mais même les maïs ont vraiment du mal à pousser. Y a rien qui part. Vraiment, c'est une catastrophe. Je suis hyper dégoûtée. Du coup, donc pas de haricots parce qu'ils sont fait manger. Les haricots rouges, ils sont en train de vraiment tout manger et franchement je peux rien faire, j'ai 5 lignes, je peux pas du tout les protéger. Même si je mets un filet, ils vont manger le filet, enfin bref. Voilà. Et le reste, ça a énormément de mal à pousser. Donc je pense que vraiment problème au niveau de ma terre très très compacte, très argileuse et très pauvre aussi. Je suis grave dégoûtée parce que en soi le potager c'est un temps fou hein, qu'on met pour faire les semis, etc. Même si on trouve des astuces pour aller au plus vite. Ça prend quand même beaucoup de temps et pour au final rien avoir, là je suis hyper dégoûtée. Bon, sinon, la dernière fois, je vous avais dit que j'avais mis Tricotte, donc une des cochons d'Inde, avec notre petit mâle et normalement elle est gestante, donc ça fait 3 semaines, je crois, qu'ils sont séparés maintenant. Donc elle est pesée tous les jours et lui aussi parce qu'il a perdu un peu de poids, du coup on le pèse bien tous les jours pour vérifier. Mais à première vue, elle prend en continu, donc normalement elle devrait être gestante. Et normalement au niveau des dates, donc on devrait avoir des petits entre le 21 août et le 4 septembre. Moi je la trouve assez grosse quand même, donc faudra voir. Là du coup, on a le petit mâle qui a perdu un peu de poids quand même. Je le trouve pas très gros, sachant que nous ici on n'aime pas trop quand il descend en dessous de 700 grammes, donc là il n'a pas descendu en dessous, mais on fait quand même hyper attention. Et là normalement je dois mettre Cristal, donc celle-ci avec le petit mâle, sauf que, ouais je vais la laisser parce qu'elle est vachement peureuse elle quand même. Elle n'a pas le poids idéal en fait, normalement c'est 700 grammes, moi j'attends toujours 750 grammes parce que... Il se peut qu'en début de gestation, elle perde un peu de poids. Et comme je vous ai dit, on n'aime pas qu'il descende en dessous de 700 grammes. Donc j'attends toujours qu'il y ait plus. Même si c'est 744, je la mettrai pas. J'attends vraiment 750 grammes. Comme ça paraît pas beaucoup, mais chez un cochon d'Inde, 5 ou 10 grammes, c'est beaucoup. Donc voilà. Et en plus de ça, du coup, Rivage, notre petit mâle, là, il est à 720 grammes. Et pareil, j'attends qu'il soit à 750. Donc, même s'il faut décaler de 3 semaines par rapport aux dates prévues, entre guillemets, parce que les cochons d'Inde, c'est tout un monde, surtout au niveau de la première portée, parce que faut rentrer en fait dans une certaine date. Bref, je sais pas si ça peut intéresser quelqu'un, mais en tout cas, voilà, faut suivre un ordre précis, mais je préfère attendre un petit peu plus. Et être sûr qu'il soit dans les bons poids pour pas avoir de problème après, parce que vraiment les pertes de poids chez le cochon d'Inde ça va très vite, c'est très très relou, c'est une galère pour les faire reprendre, donc vraiment faut faire hyper attention pour ça. Bon, du coup, là je vais aller ramasser des pommes de terre pour ce midi. Donc on a déjà ramassé plusieurs fois des pommes de terre, franchement elles sont excellentes, j'en ai plus que l'année dernière, ça par contre c'est une réussite. Reste plus qu'à voir si on en aura pour la conservation, mais là je suis vraiment pas sûre. Et de toute façon, niveau quantité, on n'en aura pas assez pour l'année, ça c'est sûr. Sors de là, allez.
Bon, bah voilà ce que ça donne. Pour ce midi, ce sera suffisant pour deux. Et franchement, il y en a qui sont quand même déjà d'une bonne taille, je trouve, par rapport à l'année dernière. Et il y avait deux ou trois pieds aussi où il n'y avait pas grand-chose. Soit il n'y avait rien, soit il y avait une pomme de terre. Donc c'est pour ça que j'ai dû en faire quand même pas mal. Mais dans tous les cas, je crois que ça, c'est ce que j'ai récolté l'année dernière. Il faudrait que je retrouve la vidéo de la récolte de l'année dernière et que je vous la mette dans le petit juste là. Pour vous donner une idée, mais il me semble que c'est à peu près ce que j'ai récolté l'année dernière, donc là pour l'instant on est large, sachant qu'on en a déjà mangé je crois 4 fois, 5 fois, donc bon.